tongue and hear me out. I know that we were made to break, so what, I don't mind. You cue the lights, I'll draw the blinds. Don't dull the sparkle in your eyes. I know that we were made to break, so. Hey, yo, Peace Magazine Sonic, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la Obscure Clan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite information concernant le fameux remake de Call of Duty 4, alias Modern Warfare. Je vais tout simplement vous afficher deux petits screens maintenant. Vous reconnaissez? Oui, oui, l'image de gauche est celle de Call of Duty 4 Old Gen et celle de droite Call of Duty 4 sur Next Gen. Oui, je précise que cette image n'est pas une image officielle, c'est tout simplement un youtubeur qui sur sa chaîne a décidé de lancer une petite série de ce que devrait ressembler un jeu Old Gen qui par le futur sortira sur Next Gen. Comme vous pouvez le voir, ça fait tout de même une très grande différence. Bon, bien sûr, la qualité ne sera donc pas aussi parfaite, mais ça sera sûrement beaucoup mieux que le code 4 que nous avons déjà pu apercevoir. Ce jeu promet tout simplement d'être énorme, ça risque d'être vraiment, mais vraiment très lourd. Je pense que à 90% la communauté va geeker sur code 4 que Infinite Warfare. Il y aura aussi le retour du grand Desert Eagle, donc le gun représentatif de code 4. Ça fait tout simplement extrêmement plaisir. C'est hallucinant la différence entre les deux. Si code 4 est aussi magnifique graphiquement, même si ça m'étonnerait, ça va être tellement jouissif. Malheureusement, l'auteur de cette image n'en a pas produit d'autres, mais c'est déjà mieux que rien. Dites en commentaire ce que vous pensez de cet énorme changement entre les deux images. Dites également si mon commentaire vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao, bye bye. Peace.